devenir un héros, ce n'est pas difficile. Salut à tous et à toutes, c'est Freeze. Aujourd'hui on se retrouve pour un combat de Coliseum. Et donc un Coliseum un peu spécial vu qu'on va jouer les K-Flip et bien tout simplement full soin. Et bizarrement c'est des compos qui sont vraiment bizarres. Donc en face il y a Liop, Xelor et une invocation de Zot si je me trompe pas. Et de mon côté il y a Sacrieur, Ekaflip Soin et Osamoda. Donc Osamoda YouTube, qui est un drôle de nom, donc coucou YouTube. Et puis du coup on est parti, donc un Sacri 198, un Noza 183 et en face on a un Xelor 199, un Yop 200 et une invocation level 186. Donc on verra bien ce que l'on peut faire et je vais annoncer. Je suis full soin. Donc je peux soin sacré. Easy. Donc voilà, on va vraiment essayer de soutenir notre équipe le plus possible, surtout notre sacrieur qui va être tout simplement notre point de rocks. Et en plus avec ce stuff, donc je vais vous présenter le stuff qui est complètement basique. Hein. Je suis sur la bêta. Faut pas vous inquiéter, le stuff qui est complètement basique, hein. J'ai Amu et Bot Automé, Archétype, Masque et Ceinture Glour Céleste, hein. J'ai un OPAPM, un Kralan OPA, une DDM Rodrousse, avec un Ocre, un Tutu, des trophées, un Tel et Soin, et un Dofus Emeraude, parce que je savais pas quoi mettre à la place, donc voilà. Alors, le Sacré qui me lance la douleur partagée et qui lance son châtiment agilité. Et là, YouTube qui voulait booster le Sacré, mais qui ne peut pas booster le Sacré. C'est drôle! Bon, c'est pas grave. Alors, moi je vais pouvoir aller roxer, et bien tout simplement le Yop qu'il y a ici. J'ai 13 PA. Ouh, roulette 450 intelligence en plus. Ouh, le coquin. Alors, je suis obligé d'avoir 9 PA. Donc, normalement, si on fait ça, ça devrait le faire. Voilà. Ça devrait le faire comme ça, et en plus voilà, j'ai la ligne de vue, donc le Sacri, voilà, il se prend des top cage à moins 472 et moins 414, donc je suis tout de suite moins opti, hein, niveau des trophées, niveau du Rox, mais ça reste quand même assez intéressant, parce que le Rox est assez violent ici, et j'attends, j'espère en tout cas que le Yop puisse aller Roxer, vu que le Sacri, j'ai besoin de le soigner pour vous montrer un peu le soin à l'archétype. Donc déjà Pilou je vous montrerai pas parce que c'est plutôt ridicule et je suis plutôt étonné que ça soit si faible que ça au niveau du soin avec Pilou. Mais bon, c'est pas très grave. Mais je crois que c'est parce qu'en fait j'ai pas trop de soin. En fait, pour soigner avec Pilou, il faut avoir du soin brut. Et ici j'ai 37 de soins et je pense qu'il y a possibilité d'avoir plus. Alors là l'Osamoda il commence à invoquer toutes ses invocations avec l'invocation en face Eresia qui invoque aussi toutes ces. On dirait des crottes multicolores, c'est des crottes de Teletobies. Voilà, c'est des caca de Teletobies, voilà, j'ai sorti ma blague, je suis trop content. Alors là voilà, le Xelor qui va venir roxer, et bien tout simplement YouTube, avec des gros rocks à l'épée de Tomé, etc. Et là le Sacri qui a plutôt intérêt de sauver l'Osamodas. C'est comme ça moi je vais pouvoir la soigner. Voilà, en plus très très bien, très bon placement. Je vais pouvoir venir soigner YouTube en sacrifiant en plus le Sacri. Il la sauve, donc du coup, ou il le sauve plutôt, je sais pas pourquoi il dit il la sauve. Et donc du coup, ouh, la grosse épée carry cachée là. La grosse épée carry neutre qui va tout simplement, bah apparemment il y avait un esprit d'eau qui pouvait sacrifier. Et ça c'est vraiment les invocations, c'est vraiment lâche parce qu'en fait on ne connaît pas. Donc du coup c'est assez bizarre. Alors là, le Yop qui va peut-être pouvoir venir finir YouTube avec des Dopu. Ça risque d'être chaud 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 du slip. On va voir. Moi en tout cas je vais peut-être pouvoir aller soigner YouTube. Il va être un peu plus safe déjà. Et là il va venir roxer tout simplement. Et bien le sacrieur, du moins 1000. Avec la zone d'épée Diop. Ouh là 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 là, il a pris cher docteur Sangu. Alors, moi ce que je vais faire, je vais aller soigner YouTube avec un coup d'archétype. Ça pourrait être sympa. Non, je peux pas venir soigner ici. Je vais pouvoir venir soigner ici.
du 971 et c'est le sacré qui prend encore les dommages. Ah merde, j'ai fait le con. Je peux pas faire la fellation, ça serait cool que je fasse la fellation. Hop. La petite félin à 444. Et YouTube là qui est déjà un peu mieux, qui se retrouve déjà à 2000 points de vie. C'est déjà un peu mieux pour lui, il est déjà en meilleure posture, en meilleure position. Position levrette et oh la crotte de Télétobis marron, je sais pas s'il y a un Télétobis marron. Il y a des caca Télétobis qui se trimballent sur la map, c'est trop bien! Tiki wiki, la la, po, j'en ai oublié un. Oui, vous pouvez entendre dans ma voix, non, je ne suis pas défoncé au bédo, je suis juste très fatigué de ma journée. Je ne suis pas stone, comme diraient certains. Ouh là là, en plus ça tape de très loin ces petites, ce petit caca rouge là. Alors, là ça va être au tour de YouTube, Alors qu'est-ce que va nous faire YouTube? Et prochain tour, ça va être le soin, eh bien tout simplement du Xelor. Et YouTube a plutôt intérêt de bouger de là, pas être, de pas rester en zone épée diable. Non, bouge encore, je t'assure, bouge, bouge, voilà, c'est bien, c'est ça mon grand. Alors là, désinvocation du Yop, et il tape un peu le Xelor, et là le Crackler qui est en train de se battre avec un caillou contre un caca de Teletobiz, et là le Xelor il va faire tout son possible pour pas que le Sacri puisse lancer sa punie. Voilà, et là le Sacri il peut pas lancer sa punie, mais il peut quand même roxer à moins qu'il soit terre, donc ça veut dire il fait des pieds du Sacrieur, etc. Donc on va voir ce qu'il. On va voir comment il gère ça, la situation. Voilà, il fait des pieds du Sacrieur en plus sur le Dragonnet, comme ça il se régène et c'est la punie qui va tomber. Sûrement ce tour-ci. La punie qui tombe à 1114, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il lui reste encore 4 PA pour essayer de finir le Xelor. Ah, ça va être trop juste, le Xelor qui a 261 vitalité. Là, il a plutôt intérêt de se sauver. Docteur Sangus, s'il a pas envie de mourir, non, de toute façon, le Yop, il a pas les PA de la précipitation, donc ça va le faire. Et moi, du coup, bah, je vais venir et je vais venir soigner. Tu sais, ça va faire pim-pom, pim-pom, pim-pom. Je suis un éca à soin. Ouyé, ouyé. Alors là, le Yop, qu'est-ce qu'il va faire, le Yop? Le Yop, il a quand même 8 PA. Le Yop, il suicide son Xelor. Ah oui, d'accord. Ok. Bon bah moi je vais écouter, moi je vais jouer mon boulot, hein. C'est-à-dire je vais soigner. Ouh, 575 à peine, c'est vraiment un petit G, un gros G agilité là par contre. C'est parce que je suis boosté à roue en fait. Et là un petit soin à l'infélation et je vais pouvoir eh bien tout simplement taper. Oh là là, l'abandon de de Hérésia. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Oh yeah, 4 tours seulement. Hein. Les caca de Télétobis, ils auront pas fait longtemps quoi. Et là, le Yop, s'il abandonne pas, je comprends pas quoi. Personnellement, j'aurais abandonné. Et là, vous voyez le Sacri qui se retrouve déjà, ben, eh bien, à presque full vitalité avec le soin de l'archétype. Même si l'archétype c'était un petit soin, mais l'archétype plus le Zamodas plus l'infellation, ben, ça fait quand même plaisir. Te fais pas chier à soin. Et là, eh bien, tout simplement, le Sacri, voilà, qui lâche en plus une petite carry à 1068, donc ça fait quand même plaisir. Et qui finit l'Iop. Donc, excusez-moi, cette vidéo sera quand même postée vu que c'est un peu quand même une vidéo un peu bizarre. 8 minutes 37, mais tout simplement c'était pour vous montrer ce qui était possible de faire en mode full soin. Bon, je vous ai montré que l'archétype et la fellation pendant 2 tours, mais c'est quand même assez intéressant. Et en plus, moi j'aime bien mes petits caca de Télétobies, donc je vous mettrai quand même ça sur YouTube. Allez, à plus tout le monde, tchuss!